Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau tirage de cheminoscope consacré au chemin de vie numéro 4 pour le mois d'avril 2024. Comme d'habitude, je vous propose de poser une intention sur une problématique que vous vivez en ce moment et laisser les cartes parler, laisser le tirage répondre et amener des éléments de compréhension qui, j'espère, vous parleront. Voyons un petit peu quelles sont les forces qui vous accompagnent pour ce mois d'avril 2024. La première carte concerne vos objectifs et vos ambitions. Ça commence fort avec le jugement. Carte arcane majeure numéro 20. Ici, en fait, on dirait que votre ambition est centrée sur la prise de décision importante. Vous avez de bonnes idées, vous avez même des idées, on pourrait dire, de génie, Eureka. Ou alors vous vous réveillez, vous décidez de renaître de vos cendres, vous décidez de bouger et vous avez pris la décision vraiment de vous relever, de sortir du placard, de sortir des pensées limitantes. Vous avez peut-être décidé de dire la vérité, de répondre à un appel ou d'accepter une mission. En tout cas, vous avez décidé de bouger, de sortir et de vous relever, de vous réveiller pour ce mois d'avril 2024. La deuxième carte concerne le visage que vous montrez au monde, et c'est le visage de la reine de bâton. Alors, ça accompagne très bien la carte du jugement parce que c'est une carte pleine de chaleur, de dynamisme, d'entrain, de détermination. C'est l'envie d'entreprendre. Vous montrez un visage aux autres qui est ouvert, qui est actif, vous montrez votre aisance, vous avez toutes les qualités pour faire ce que vous avez à faire, une grande force, beaucoup d'indépendance, de courage, en tout cas c'est le visage que vous montrez aux autres. Vous montrez une approche innovante, créative, énergique, vraiment prêt à relever tous les défis. Votre force. Alors, avoir une carte de bâton en force, c'est toujours bon signe, et c'est le cas ici avec le cavalier de bâton, qui apporte justement beaucoup de passion, de désir, de motivation, de dynamisme, un esprit d'aventure, et le cavalier est une carte de mouvement. Le cavalier est une personne qui ose, qui se fait remarquer, qui fonce tête baissée, qui a une très grande force d'action et beaucoup d'énergie. En tout cas, sur les trois premières cartes de ce tirage, vous êtes aligné entre ce que vous avez décidé de faire, entre ce que vous dites que vous faites et entre la force que vous avez. Tout est en concordance, tout est aligné. Voyons maintenant votre rapport au monde matériel, tout ce qui est argent et travail. Tiens donc, de nouveau, la roue de fortune. Alors pourquoi de nouveau? Parce que je crois que vous avez, enfin je suis même sûr que vous avez l'arcane 10 placée au même endroit que les chemins de vie 1 et chemins de vie 3. Ça fait trois fois qu'elles sortent sur quatre tirages aujourd'hui. Donc c'est pas anodin. On voit ici que, en plus c'est la carte centrale du jeu, donc une carte importante. C'est, voilà, les hauts et les bas, apprendre à s'adapter. Certes, ça peut être une carte de chance et d'expansion, d'amélioration, mais c'est surtout une carte de hasard. Les choses vont au gré un peu du vent. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Ici, il s'agit de comprendre que tout est une succession de cycles, qu'après des hauts, il y a des bas, et qu'après des bas, il y a des hauts. Et ici, on vous dit que sur cette question de monde matériel, d'argent ou de travail, il convient plutôt de surfer sur la vague, de lâcher prise, parce que c'est le destin qui décide et non pas vous. Vous n'avez pas de prise sur ce qui se passe. Donc il faut suivre le mouvement, s'adapter, surfer sur la vague et tel un surfeur, rester en équilibre sur les mouvements de vagues qui montent ou qui descendent. Votre esprit, vos pensées, vos idées, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Et vous avez le cavalier de coupe. Alors, on a un deuxième cavalier qui se profile. On a la famille des coupes qui est là.
Alors peut-être que ce cavalier de coupe vous propose d'aller à la rencontre des gens. Peut-être il s'agit-il d'aller séduire, draguer, d'aller charmer, ou peut-être simplement suivre son cœur et ses rêves. Peut-être pensez-vous à exprimer vos sentiments, partager vos émotions, partager vos désirs, vos attentes. En tout cas, ici, peut-être que vous pensez directement à suivre vos rêves. Intéressant quand on voit le cheminement de ce tirage, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pour vous, les chemins de vie numéro 4 au mois d'avril. Voyons un petit peu au niveau de votre vie spirituelle avec la sixième carte. C'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée ici vous propose de réfléchir sur ce qui fait toucher le fond, sur la douleur. Alors peut-être ici s'agit-il de réfléchir, en tout cas de méditer sur la nuit noire de l'âme peut-être. Ou alors est-ce qu'il s'agit de travailler la blessure de trahison? En tout cas, ici il s'agit d'envisager de boucler un chapitre avant de passer au suivant, de mettre fin à une activité, à une pratique peut-être que... Qui est obsolète pour vous et qui amène plus de douleur qu'autre chose. En tout cas, c'est mettre un point final à un chapitre avant de commencer le suivant, et c'est votre vie spirituelle ici. Et enfin, votre moteur intérieur, ce que vous avez dans vos tripes, ce que vous avez au fond de vous. Et c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, ce que vous avez au fond de vos tripes, c'est un sentiment de sécurité, une stabilité à toute épreuve, beaucoup de ressources en vous et aussi beaucoup d'indépendance, car vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et vous savez que tous les efforts que vous faites finissent par payer. En tout cas, un mois d'avril 2024 qui s'annonce vraiment très dynamique, un peu sur les chapeaux de roue. Voyons ce que l'univers vous envoie pour vous aider à vivre et à profiter pleinement de ce mois d'avril qui démarre. Et c'est la rune Féu qui vous propose justement un contexte de réussite, d'abondance, de possibilités, de richesses méritées, de bonne fortune. Alors ça fait écho directement ici. Pensez que vous avez la chance de votre côté, vous l'avez deux fois dans votre fort intérieur, vous le savez aussi, et vous bénéficiez d'énergie très forte pour votre réalisation, votre croissance, votre expansion. Et enfin, un petit message de l'oracle de la mission de vie. Tiens! Rencontre des personnes, c'est exactement ce que vous pensez faire ici. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. Jugement. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et là, tout le tirage prend son sens. Vous mettez fin à quelque chose, vous savez que vous avez un socle de capacité, vous avez la chance avec vous, un très fort dynamisme, une envie d'y aller, et c'est le moment où vous avez décidé d'y aller. En tout cas, voilà pour ce tirage du mois d'avril 2024. J'espère qu'il résonne en vous et qu'il vous amène des éléments de compréhension sur ce que vous vivez actuellement. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, liker la publication si elle vous parle, éventuellement la commenter si elle résonne vraiment en vous et expliquer pourquoi. En tout cas, c'est la seule récompense que vous pouvez m'apporter pour ce tirage. Et merci de le faire pour récompenser le temps que je passe pour vous enregistrer des guidances gratuites disponibles en tout temps sur le net. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite bon courage pour le mois d'avril et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.